Salut, salut, salut la famille. Voilà l'équipe de la basse avec le frère Collins, le stratège de nouveau. Fils du planteur n'a pas pu être là. Ben voilà, nous sommes avec Collins et on se dirige vers la société Média Kiosque, celle-là même qui s'est chargée de diffuser, d'afficher les photos de Biapol dans les kiosques de Paris. Alors, on vient passer un message à ces gens-là. Nous les avons appelés, comme j'étais en train de vous dire, toute la semaine, on les a bombardés d'appels. Ils ont dit qu'ils allaient enlever ces affiches-là jeudi, dans la nuit. Donc, dans la nuit de hier à aujourd'hui. Ça a déjà été fait dans certains endroits, pas partout. Et là, on vient signifier notre mécontentement face à la photo de cet homme-là que nous ne voulons plus. Bon, nous sommes en train de nous diriger vers la société Média Kiosque et ils vont entendre parler de nous. Partagez, 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 partagez. Cyril, partagez, partagez, partagez les frères. Ah ouais, je ne montre même pas. Voilà. Nous sommes en train de nous diriger vers cette société-là pour leur dire que plus jamais les photos de bière, il faut les cacher un peu, hein, parce que là maintenant c'est go, 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 go. Il faut d'abord enrouler ça, c'est prêt pour le go. Voilà. L'équipe de là-bas, elle est là. Hein. Et on y va. Ciao. Allons-y, allons-y, allons-y les gars. C'est vite fait, bien fait et on repart chez nous. Voilà, partagez, partagez, partagez comme vous pouvez le voir. C'est Média Kiosque. Ce sont eux qui diffusent les images du dictateur Biya. Et on est là pour signifier à Biya que sa place, c'est au Cameroun, c'est pas ici, c'est pas dans la diaspora. Certes, ils sont là pour faire leur boulot, on ne dit pas le contraire. Vous voyez, ça, c'est les grosses berlines, les voitures qui sont achetées avec l'argent des Africains. Je crois qu'ils sont fermés. Je crois qu'ils sont fermés. Est-ce qu'on peut voir des responsables? Essayez de voir si on peut nous recevoir là. Bonjour madame. Voilà, nous voulons voir les responsables de Média Kiosque. Pour? Ouais, nous sommes des Camerounais Oui. et nous sommes contre l'affichage des photos de notre dictateur, du dictateur Ah, Biya. d'accord. Nous avons appelé plusieurs fois et ça Mais le continue. responsable n'est pas là. Ouais, le responsable n'est pas là, nous voulons voir un responsable parce que là, il faut que ça s'arrête ça. Bah écoutez, Il y a je vais des essayer de voir. gens, oui, essayez d'appeler un responsable. Moi, j'ai pas son numéro direct, Essayez de voir. Ouvrez la banderole là, parce que voilà, on ne peut pas laisser la dictature prospérer au Cameroun. Nous sommes contre cette campagne-là. Fais voir ça. Nous sommes contre ça. Nous sommes contre ça. Nous sommes venus dire non. Nous voulons que vous, Média Kiosque, que vous arrêtez la diffusion des affiches de Monsieur Biya. Nous sommes contre ces affiches, monsieur. Montre voir ces affiches. Nous sommes contre ce dictateur. Monsieur, monsieur, monsieur. Oui, bonjour, monsieur. Si vous voulez, bonjour, monsieur. On affiche suivant la liberté de la presse. Vous savez que y a un principe en Il y France, a un principe, oui, nous la savons. liberté de la presse. Oui. D'accord? Donc nous ne pouvons pas désafficher les Ben, kiosques. là, vous nous avez menti. Pourquoi? Parce que nous avons appelé plusieurs fois et on nous a dit Oui, que ça bien sûr. devait être enlevé hier. Hier, il y a une partie qui a été enlevée et ça n'a pas été tout enlevé.
Ah, mais parce que c'était la fin de l'affichage. Monsieur. C'était la fin de l'affichage. Oui. Ben, vous devez les enlever tous alors. On veut que ces affiches n'existent plus. La fin de l'affichage est liée à ce que nous demandait l'annonceur. Donc, s'il y a peut-être une partie qui était affichée sur une durée et l'autre qui court ensuite. Si vous c'est ne les enlevez. C'est en fonction de ce qu'a demandé l'annonceur, monsieur. Nous sommes là pour vous rappeler qu'au Cameroun, il manque des défibrillateurs dans des hôpitaux et que vous, vous êtes en train de faire la promotion d'un dictateur. Nous sommes là pour vous dire non, nous ne voulons plus, parce que si vous ne les enlevez pas, nous allons opérer d'une autre manière. Monsieur, ça, on vous le dit. Monsieur. Je vous écoute, monsieur. Je vous écoute très bien. On n'est pas violent, on est tout courtois avec vous. On est tout courtois avec vous. Mais Médiakiosque pour quelque chose, monsieur. Monsieur, vous avez un enfant, vous avez des enfants, monsieur. Vous pouvez accepter qu'en France, un enfant, votre enfant, ne soit pas pris en charge à l'hôpital parce que le président de la République française, Emmanuel Macron, préfère aller faire des affichages au Cameroun. Vous ne pouvez pas regarder les images atroces que nous... Regardez, dites-nous, nous allons vous payer pour ça. Dites-nous combien il faut vous payer. Dites-nous, nous allons vous payer pour ça, monsieur. Vous voyez, vous n'êtes même pas capable de regarder, monsieur. Mais bien sûr, mais... Vous voyez, vous n'êtes même pas capable de regarder. Vous n'êtes même pas capable de regarder. Adressez-vous à l'éditeur. Bonjour, monsieur. C'est vous le responsable de Médiakiosque. Alors, on va vous redire ce qu'on vous a dit 10 fois. Oui. C'est qu'on est dans un pays de liberté en France. On sait très bien. La liberté de la presse. On le sait très bien. Il y a un titre qui s'appelle Le Figaro, qui s'appelle Jeune Afrique. On le sait très bien. Et alors ? On le sait très bien. Nous, on veut arrêter l'affichage de ce dictateur. Mais c'est arrivé depuis hier soir. Vous nous avez dit que c'est arrêté depuis hier soir, mais on voit toujours ces affiches dans les rues de Paris. Vous nous avez dit depuis hier soir, mais nous voyons toujours ces affiches dans les rues de Paris, monsieur. Et monsieur, vous n'êtes même pas capable de regarder ce qui se passe dans mon pays. Vous venez faire l'affichage d'un dictateur, de quelqu'un qui tue. Mais c'est un dictateur, monsieur Biya. Vous, attendez, c'est merde. Mercantile ce que vous faites. Monsieur, oui, on parle doucement. On peut parler, mais quand vous voulez, je voudrais dire un mot. On vous écoute. Très bien, on vous écoute. On aurait porté plainte contre la police. Il n'y a pas de souci. Est-ce qu'on peut parler? Oui, on vous écoute, monsieur. C'est bon, je vous écoute, monsieur. Je vous écoute, monsieur. Assassin, dictateur. Attends, je parle avec le responsable. On parle doucement. Médiakiosque assassin, c'est ça, monsieur ? On parle. Monsieur, c'est une complicité. C'est une complicité. Est-ce qu'on peut parler ? On est en train de vous écouter, je vous écoute, vous ne dites rien depuis. Assassin. C'est bon, j'apprends sur moi. Je vous traite d'assassin, moi. C'est bon, je vous écoute, monsieur, je vous écoute. Je vous écoute. Vous avez le droit, pardon, vous êtes dans un pays en France. Oui. Vous avez des titres de séjour, vous êtes français, vous êtes camerounais, je ne connais pas, vous avez le droit de vous exprimer, de manifester. Nous sommes camerounais. Vous êtes camerounais, ouais. Là, je vous félicite, c'est une belle nation, voilà. Merci. Ce que je veux vous dire, pardon, vous êtes en France, vous avez une liberté de manifester. Et nous jouissons de la place de la République, je vois régulièrement, j'habite pas très loin, je vois des Algériens, je vois des Camerounais, je vois des Gabonais, je vois, voilà. En étant français, vous avez le droit de vous exprimer. Faites des manifestations. Si vous dénoncez ce régime, vous avez le droit, faites-le. Allez devant l'ambassade du Cameroun, allez devant ce que vous avez fait, j'imagine. Allez devant le journal, moi, Médiakiosque, pardon. Oui. Là, vous prenez le sujet par le... Mais allez voir aussi Prestalis. Allez bloquer. Nous allons y aller. Je vais vous donner des pistes, mais c'est pas le bon sujet. C'est pas le bon sujet. Vous pouvez bloquer la messagerie qui distribue ce titre. Le sujet, c'est qu'on est en France, pays de droit, ce qui n'est peut-être pas le Cameroun. En France, il y a une liberté de la presse. N'importe quel journal, il s'appelle Le Figaro, il s'appelle Le Monde, il s'appelle Charlie Hebdo. La semaine dernière, il y a 15 jours, Charlie Hebdo fait une 2 mètres carrés avec un Christ en croix qui dénonce la pédophilie, tous les catholiques de France étaient ulcérés. Ulcérés, c'est une position que je ne vous décrirai pas. Pour les chrétiens, les catholiques, très humiliante pour le Christ. On a reçu des tonnes d'injures. Moi, j'ai rappelé le droit. Le droit, c'est que Charlie Hebdo, comme ce journal, comme droit, ils ont le droit de faire la une qu'ils veulent. Moi, je ne juge pas les unes. On ne dit pas le Minute, journal d'extrême droite, journal d'extrême gauche. En France, tout a le droit de se trouver dans les kiosques. Sauf si, un jour, le ministre de l'Intérieur décide, c'est le droit français, d'interdire la diffusion et l'affichage. Tant que ce droit n'est pas mis en œuvre, on est un pays de droit. Moi, je n'ai pas censuré.
Je peux vous poser une question? Je vous ai écouté. Je vais terminer et après je vous passe la parole. Moi, je n'ai jamais eu le droit, ni pour Charlie Hebdo, ni pour un journal d'extrême droite, ni un journal d'extrême gauche, ni un journal africain, de dire ta une, elle ne me va pas. Vous n'avez pas le droit. D'accord. Je n'ai pas le droit. D'accord. Je n'ai pas le droit. D'où ma question. Oui, j'ai compris. D'où ma question. Est-ce que je peux vous demander de faire la campagne de l'affiche à l'honneur de Mohamed Merah, d'un terroriste? Je peux vous demander de faire la campagne de faire une campagne d'affichage à l'honneur de Oussama Ben Laden? Ce que vous n'arrivez toujours pas à comprendre, il manque un élément dans la réflexion. Vous ne faites pas l'affichage pour Paul Biya. Je reformule ma question. C'est une question sémantique, monsieur. Je reformule ma question. Cette campagne est achetée par un éditeur. Je formule ma question. Moi, je m'appelle la brigade anti-Sardina. Et je fais une affiche. Pardon, si vous êtes un journal, je vais vous le dire. Droit français, si vous êtes un journal. Je fais une affiche. Vous ne me laissez pas poser ma question. Je m'appelle la brigade anti-Sardina. C'est l'organisation que nous représentons. C'est pas un journal. Je suis un journal. Okay. Je suis un journal. Je prends juste un nom. Ah non, il faut un journal. Je suis le nom. Bon, je m'appelle Le Figaro. Okay. Je fais la publicité de Ben Laden ou je fais ses éloges. Oui. Vous pouvez l'afficher, vous? Non. Oui. Bien sûr que non. Si. Bien sûr que non, monsieur. Non, monsieur. Non. C'est le droit. Non, c'est pas le. Là, vous allez faire l'apologie du crime qui va contre le droit français, monsieur. Ça rappelle le droit français. Ce serait l'apologie du terrorisme, monsieur. Nous sommes bien d'accord là-dessus. Je vous donne, pardon, la chronologie. La chronologie. Mais expliquez-moi, je connais un peu le sujet depuis 20 ans. Je vous écoute. Je vous réponds. Qu'est-ce qui se passe si demain le Figaro, peu probable? Oui. Mais un journal. Pourquoi c'est peu probable? Vous revenez à ma question. Pourquoi c'est peu probable? Non, mais un journal, n'importe qui, fait l'apologie de Ben Laden. Acte 1. Oui. Il vient chez moi. Oui. Cette une va être dans les kiosques, diffusée en France. Il me dit, je veux afficher, moi, tu as un journal, c'est ta une, j'ai zéro problème, j'affiche. Qu'est-ce qui va se passer le lendemain? Le lendemain, des gens vont être ulcérés. Comme nous? Très bien. Voilà. C'est ce que nous faisons et nous... Et le bon biais, c'est légal. Le bon biais, c'est légal et nous... Le bon biais, c'est légal pour vous. Excusez-moi. Le légal aujourd'hui peut être l'illégal. Demain, monsieur... Je vous donne le droit français. On comprend le droit, il a plusieurs contorsions que vous connaissez. Vous avez fait votre travail. Monsieur, je vous donne la réponse à votre question. Qu'est-ce qui se passe demain si un journal fait la pub de Ben Laden? Monsieur. Demain, en référé... Monsieur, ce que vous êtes en train de me dire, c'est du sophisme, monsieur. Ce que vous êtes en train de... Non, c'est du droit, mais vous faites du sophisme. Je comprends que c'est du droit, monsieur. Mais vous faites du sophisme parce que si je viens avec un journal à l'effigie et à la gloire de Ben Laden, vous n'allez jamais accepter la diffusion. Même si la loi vous le permet. Non, je vous dis. Non, monsieur. Monsieur, ça c'est Charlie Hebdo. Il y a eu des films avec la position du Christ et n'importe comment. Mais vous n'allez pas prendre sur vous d'afficher Ben Laden en disant gloire à Ben Laden le grand. Vous n'allez jamais le faire. Ce sera un problème d'éthique pour vous. Même si non, ce sera monsieur, vous allez refuser. Non, c'est là, monsieur. Vous n'allez pas, monsieur. Vous n'allez pas attendre le ministre de l'Intérieur. Vous savez très bien que vous n'allez pas le faire. Vous n'allez pas. Pourquoi vous affichez ça, c'est tout? Dites-nous combien on peut vous payer. Vous avez été payé. Nous, on veut vous payer pour que cette campagne s'arrête. Nous, on veut vous payer pour que cette campagne s'arrête. Non. Elle reprend plus la campagne. Elle est terminée. Vous avez enlevé les affiches. Elle ne reprend plus. Franchement, elle ne reprend plus. Vous n'êtes même pas capable de regarder. Vous pouvez afficher ça? Vous n'êtes même pas capable de regarder. Voilà. Écoutez, nous, on est là. On est venu leur dire la vérité. Plus. Vous voyez, je vais vous montrer les kiosques qu'ils sont en train de faire là. Ils font leur connerie à Paris. Ah, on n'est plus là pour ça, mes frères. On n'est plus là pour ça. Ils n'ont qu'à appeler ceux qui veulent appeler. Voilà. Partagez, s'il vous plaît. Ce sont ces genres de kiosques que vous allez retrouver dans les rues de Paris. Comme vous voyez. Et ils viennent afficher la photo du dictateur, quelqu'un qui tue les gens chez lui. Il n'est même pas capable d'avoir un kiosque comme ça dans son pays. Vous voyez ce genre de kiosque qu'on vient nous... Non, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. Plus de campagne de billard. Là, je suis avec le responsable de Média Kiosque. Il me raconte des trucs qui tiennent pas la route. Nous, on veut payer, on va arrêter cette diffusion.
Je peux répondre les uns après les autres. Si, à 10 personnes, allez. Monsieur est en train de me dire qu'il n'est pas, quoi, n'êtes pas un voyou. Non, mais dites-nous combien je veux payer. Non, mais pardon. Vous n'êtes pas un voyou. Non, nous ne sommes pas des voyous. On va venir à 10 000 tout casser, c'est quoi ça? Nous ne sommes pas des voyous. Nous ne sommes pas des voyous. Je veux venir 10 000 à tout casser, c'est quoi? Nous ne sommes pas des voyous. Nous ne sommes pas des voyous. Mais vous pouvez porter plainte, monsieur. Mais vous pouvez porter plainte. Allez-y, portez plainte, monsieur. Allez-y, portez plainte. Si on va en prison parce qu'on vient sauver nos frères au Cameroun, ce sera avec plaisir. Allez, portez plainte. Je vous redis depuis le début. Allez, portez plainte. Nous, tout ce qu'on veut, monsieur. Nous vous respectons. Respectons-nous. Respectez-nous, monsieur. Ayez au moins l'amabilité de regarder ces images. Regardez ces images. Ça, c'est ce que Biapol fait au Cameroun. Et il y a un enfant qui est mort dans un hôpital il y a une semaine parce qu'il n'y a pas un défibrillateur dans un hôpital. Et ce monsieur est capable de venir vous donner 1 million d'euros pour une campagne. Nous étions à l'ambassade du Cameroun et vous savez très bien ce que nous avons fait, monsieur. Vous savez très bien ce que nous avons fait. Et nous allons refaire la même chose. Nous ne voulons plus de dictateurs. Et c'est vous des éditeurs. C'est vous des distributeurs, c'est vous. Vous êtes distributeurs. Vous soutenez la dictature, monsieur. Et nous sommes là pour vous dire non. C'est un droit. Un droit de la presse. Un droit de la presse. Je vous ai posé une question, vous ne m'avez pas répondu. Vous avez fait du sophisme, vous avez tourné en rond. Moi, je viens avec l'effigie de Ben Laden ici. Vous n'allez jamais le publier dans Paris. Jamais vous n'allez le faire, monsieur. C'est un problème d'éthique. Pour l'éthique, vous n'allez pas le faire. Vous allez préférer refuser le contrat que de le faire, monsieur. Mais ne nous prenez pas pour des cons. Mais je ne peux pas, monsieur. C'est faux, monsieur. Pour deux raisons. Est-ce que je peux faire une réponse? Pour deux raisons. Donnez-moi les raisons. Deux réponses. Donnez-moi les raisons. Droit de la presse, droit commercial. C'est facile à dire, monsieur. Droit de la presse. C'est très facile à dire. Droit de la presse. C'est très facile à dire. On fait un bouquin à la gloire de Mohamed Merah, vous n'allez jamais le diffuser. Ce sera interdit de diffusion, monsieur. Ce serait... Oh, voilà, vous me répondez. Mais ça, c'est un dictateur, Biya. Vous me répondez, monsieur. Je vous réponds en amont. Vous me répondez, monsieur. Nous, on vous paye et vous arrêtez cette campagne. Est-ce que ce journal est interdit de diffusion en France? Répondez-moi. Est-ce que ce journal est interdit? Est-ce que l'éditeur qui va faire un clip sur Mohamed Merah sera interdit en France? Oui, sûrement. À partir du moment où il va le faire. Vous allez arrêter de soutenir les dictateurs en Afrique. Parce que faire la promotion des dictateurs en Afrique, c'est tuer des milliers de personnes en Afrique. Et ça, vous le savez pertinemment. Ça, vous le savez. Ça, ce n'est qu'une petite partie. Nous, on sait que vous faites votre boulot, monsieur. Tout ce qu'on vient vous demander, c'est de choisir. Parce qu'en France, il y a des choses que vous allez vous... Si, vous ne pouvez pas choisir, nous allons vous imposer le choix. Nous allons vous imposer le choix. Oui, nous allons vous imposer le choix. Vous allez nous dire quel jour nous allons vous imposer le choix. Nous allons vous imposer le choix. Vous allez nous dire quel journal il faut diffuser. Vous venez avec Charlie Hebdo, il y a des Camerounais qui sont morts, madame. Okay. D'accord? Il y a des milliers de Camerounais qui meurent grâce à ce dictateur que vous soutenez là. C'est pour vous montrer comment on montre tout. Non, vous montrez pas tout. Il y a un génocide qui est en train de se passer, des milliers de Camerounais qui sont en train d'être tués. Voilà. Voilà la famille, ça c'est le dictateur, nous ne voulons plus voir de cet homme-là. Biapol, tu es criminel, écoute, nous on va te traiter. Tu ne seras en paix nulle part, Bia. Nulle part tu vas être en paix. Nulle part. On ne fait pas dans la dentelle, hein. Nous on ne fait pas dans la dentelle. La campagne a été suspendue hier et on aimerait que cette campagne ne soit plus là. Elle a été suspendue comme vous avez dit. Respectez-le. Ne le faites plus. Ne le faites plus. Vous regardez ces images, monsieur. Il y a des milliers de personnes. Si je vous montre des images, vous n'allez même pas supporter. Des villages entiers qui sont brûlés par cet homme. Mais vous le savez, pourquoi vous affichez quelqu'un qui tue son peuple? Il y a un droit au-dessus du droit, monsieur. Il y a le droit moral, monsieur. Il y a un droit moral, monsieur. Ce droit moral-là, il est au-dessus. Vous n'allez pas prendre un employé qui tue son enfant. Vous dites que vous respectez le droit. Mais n'importe quoi, monsieur. Il ne met pas du droit. Vous avez vu l'affiche? Il n'est pas interdit en France. Non, moi je filme tout le monde. C'est ça. Regardez les affiches.
Prenez un exemple. C'est pas le Figaro. C'est l'éditeur qui s'appelle. Cet éditeur, journal, a pris l'expansion. C'est lui qu'il faut que vous alliez voir. Oui, avant de voir, c'est pas Afrique Expansion qui fait l'affichage, c'est vous, Mediakos. C'est pas Afrique Expansion. Nous avons déjà fait ce que nous avons à faire à Afrique. C'est vous qui diffusez les images, c'est pas Afrique. Hein. Lui, il est l'éditeur. Vous n'allez pas quand même nous prendre pour des bêtes, nous ne sommes pas des animaux, monsieur. Mais c'est vous qui distribuez, nous sommes venus voir l'afficheur, nous ne sommes pas allés voir l'éditeur. Vous ne distribuez pas le titre. Non, vous affichez, c'est vous qui faites de la publicité. Non, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas allé voir l'éditeur? Ben, nous avons déjà vu l'afficheur. On a vu l'éditeur. Il est au Canada, l'éditeur. Il vous dit quoi? Il est au Canada, l'éditeur. C'est pour nous. C'est pour nous ce qu'il nous a dit. Nous sommes venus voir l'afficheur. C'est vous qui faites la campagne publicitaire. On vous dit, c'est pas bon. C'est ce qu'on vous dit. Vous avez dit que vous allez arrêter. Nous aimerons que franchement vous arrêtez. Franchement, les Africains en ont marre, monsieur. Les Africains en ont marre. Elle est arrêtée. Il n'y a plus. On ne veut plus voir ce genre d'image. Oui, elle n'y est plus. Vous avez dit hier que vous allez diminuer, vous allez enlever. Mais on s'est rendu compte que vous avez enlevé une partie et pas toute. La campagne, elle se termine. On veut que vous l'enlevez. Moi, je veux filmer aussi les propos qui ont été tenus. Vous avez une collègue qui est en train de filmer. Personne ne vous a menacé, monsieur. Personne ne vous a menacé. Personne. Vous avez vu 10 000 personnes là? Vous avez vu 10 000 personnes? Vous avez vu 10 000 personnes, monsieur? Vous avez vu une poignée de personnes qui vient vous dire vous êtes en train d'afficher un dictateur et on vous dit non, monsieur. Il y a des milliers de... Mais vous avez entendu... Non, écoutez, si vous criez, on connaît crier, monsieur. Non, on crie parce que vous êtes en train de faire un sale boulot, monsieur. Vous faites un sale boulot. Vous n'avez qu'à porter plainte. On s'en bat les couilles. On est dans un pays de droit. Il y a la morale qui est au-dessus du droit, monsieur. On se bat avec les moyens que nous pouvons. Il y a la morale, monsieur, vous n'allez pas engager une employée ou bien vous n'allez pas engager un serial killer chez vous. Vous n'allez pas le faire, monsieur. Et lui, c'est un serial killer. C'est l'argent du peuple camerounais qui vient vous donner. Vous achetez des berlines pendant que Cameroun en est en train de souffrir. Mais vous pouvez appeler la police, vous pouvez porter plainte si vous voulez, monsieur, on s'en bat les couilles. Nous sommes déjà morts et on n'a plus peur de la mort. Ça, il faut que vous le sachiez. Il faut que vous le sachiez. Cette campagne, vous l'arrêtez, monsieur, sinon nous allons revenir ici. Oui, si vous n'arrêtez pas cette campagne, nous reviendrons ici vous dire ce qu'on a à vous dire. On ne peut pas laisser les gens mourir comme ça. Monsieur, regardez, ce ne sont pas des animaux qui meurent. Ce sont des êtres humains, monsieur. Ce sont des êtres humains. Doucement, quand mes frères sont en train de mourir et que vous venez afficher un dictateur, on vous dit on ne se tait pas, monsieur. On vous dit on ne se tait pas. Vous avez le droit moral de refuser ce genre de choses. Vous avez le droit moral de refuser ce genre de choses. Ce n'est pas une seule campagne, monsieur. C'est pas une seule campagne. Vous avez le droit moral. Arrêtez de parler du droit de la presse, monsieur. Parce que vous n'allez jamais afficher Ben Laden à Paris. Vous n'allez jamais afficher Mohamed Merah à Paris. Je parle pour mon peuple, monsieur. Regardez ces images. Regardez ces images, monsieur. Alors, ne me parlez pas du droit de la presse. Ne me parlez pas surtout du droit de la presse. Ne me parlez pas du droit de la presse. Parlez-moi de votre morale, monsieur. J'en appelle à votre morale, monsieur. J'en appelle à votre morale. Regardez ces gens qui meurent. Regardez ces gens qui meurent, monsieur. Il y en a au Cameroun, il y a des drapeaux. Parce que des hommes comme vous soutiennent des dictateurs. Parce que des hommes comme vous sont payés avec le sang des Camerounais pour afficher ces dictateurs. Oui. Et je ne me cacherai pas pour vous le dire, monsieur. Je vous le dis en face, monsieur. Et je m'en fous de ce qui peut arriver. Parce que ceux qui meurent là, ils meurent pourquoi? Pour venir faire la publicité d'un dictateur, il y a un enfant de 17 ans qui est mort il y a une semaine dans un hôpital au Cameroun parce qu'il n'y a pas de défibrillateur. Et ce monsieur est capable de venir vous donner 200 000 euros, 1 million d'euros pour une campagne. On vous dit, on ne veut plus voir ces affiches. Très bien. Et ce soir, nous allons faire le tour encore. S'il y a ces affiches, vous allez nous revoir. Le message est passé. Voilà. Mediakos, que vous voyez, c'est un sous-traitant des dictateurs. Et on le dit, on l'assume. Oui. Allez. Message n'est pas passé. Tant que ces affiches seront encore suites dans les kiosques à Paris, on reviendra. Plus nombreux. Ah oui. Mais vous me parlez de la liberté de la presse, vous me parlez du droit de la presse et vous soutenez les dictateurs. On est dans un pays de droit, monsieur, je vous mets au défi. Je vous mets au défi, monsieur, vous ne pouvez pas dans un pays de droit diffuser Mohamed Merah. Vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez... Un exemple de quoi? De Charlie Hebdo?
Un exemple de Charlie Hebdo. Allez, c'est bon, s'il vous plaît, c'est bon. Vous appelez la police si vous voulez, le message est passé. Le message est passé, vous nous avez dit hier. On vous, monsieur, on vous a appelé avant de venir. Vous nous avez dit, on vous a appelé avant de venir. Vous nous avez dit, on va enlever les affiches. Mais vous avez enlevé une partie. Vous avez enlevé une partie, monsieur. J'en appelle à votre morale, monsieur. J'en appelle à votre morale. La campagne, elle dure un temps. Elle dure un temps, nous on veut que cette campagne s'arrête. Et elle va s'arrêter. Elle doit s'arrêter. Elle doit s'arrêter, cette campagne. Les Africains, vous allez comprendre que les Africains ont changé de fusil d'épaule. Jusqu'à samedi. Samedi matin. Sinon, c'est dans la journée. Nous, nous sommes sur vous, vous appelez la police si vous voulez. Mais appelez la police, on s'en bat les couilles. Je vous l'ai dit clairement, appelez la police. On s'en bat les couilles. Nous, on a passé le message. Jusqu'à samedi, on ne veut plus voir ces affiches. C'est pas possible. C'est pas possible. Les Africains sont en train de mourir. Il n'y a pas de médicaments dans les hôpitaux. Les chefs d'État sont capables de venir verser 2 millions d'euros pour une campagne de merde. Et vous me parlez de morale. Vous parlez de bois. Si vous trouvez une de vos cloches cassée, ce sera venez nous prendre. Voilà. Nous, monsieur, monsieur, vous savez, nous sommes déjà des morts. Nous sommes déjà des morts. Et on n'a plus peur de la mort. Vous n'allez plus diffuser ce dictateur. Pas seulement lui, y compris Bongo, monsieur. Appelez à votre morale, monsieur. On refuse quelque chose par morale, même pas par droit, par morale, on refuse. Il n'a pas peur, c'est un peu ça. C'est vous qui aviez peur. La CAN a été retirée au Cameroun parce que nous sommes allés à Total et a dit non. Et Total nous a écoutés. Pourquoi vous, médias, vous ne pouvez pas faire ce que Total a fait? Parce que vous êtes dans un pays de droit. On a merde de votre droit, monsieur. On a merde de votre droit. Parce qu'il y a des milliers de personnes qui meurent. Qu'est-ce que vous racontez? Il y a des milliers de personnes qui meurent. On a le droit de manifester. Vous avez le droit d'appeler la police. Hein? Vous avez le droit d'appeler la police. Ben appelez la police pendant qu'on y est. Appelez la police pendant qu'on y est, monsieur. Qui ont perdu leur famille non plus. Appelez. Vous savez combien de personnes nous avons perdu, nous? Tous ces berlines-là, c'est l'argent du sang des Africains, monsieur. C'est l'argent du sang des Africains. Ok. Allez. Ben appelez la police. On vous a dit samedi, on vous donne samedi. Si cette campagne est encore là samedi, alors vous allez avoir notre sang ici. Voilà. Les frères enlèvent le camp. On a passé le message et ils ont compris. Enlève le camp. Voilà le travail de Biya. Pendant que ce fils de pute prend l'argent des Camerounais pour venir payer Media Kiosk, les Camerounais sont en train de mourir. Cette campagne ne s'arrête pas, vous allez nous revoir ici et vous allez avoir notre sang ici. On va commencer par le kiosque le samedi, on va tout bousiller. Voilà. On a passé le message et ils ont compris. Vous allez faire une réunion aujourd'hui et vous allez décider d'arrêter cette campagne. Ou alors vous allez nous tuer tous. Salut la famille. Vous aurez les charges d'ici samedi. Le message, nous avons fait passer le message. Hier, on a appelé les fils de pute en journée, ils nous ont dit qu'ils vont enlever et ils n'ont pas enlevé. Et ils croient qu'on va s'asseoir comme ça, croiser les bras, on reviendra à Media Kiosk. Et ça, c'est qu'un avertissement. Voilà. Merci la famille. Nous, on est là. Hein. On est déjà mort, on est grillé. Et on n'a plus peur de rien. Biya, tu ne vas être en sécurité nulle part, Paul Biya. Nulle part, tu vas être en sécurité. Laissez-leur ça. Quand ils vont partir du boulot ce soir, ils vont voir. On a mis partout, hein, dans toutes les voitures, on a mis. Ils vont partir du boulot ce soir, ils vont voir. Allez tout le monde samedi à la place du Crocadéro pour la grande marche. Voilà, on est venu leur donner l'ultimatum qu'ils entendent. Les compreneurs vont comprendre. Ah ouais, c'est bien. Les compreneurs vont comprendre. Et voilà, merci la famille, le message est passé. Donc je demande à toutes les dames Amazon, hein, toutes les mamans, tous nos frères et sœurs, nous vous prions de sortir massivement samedi pour venir à la place des Trocadéro. Ensemble, nous pouvons avancer. Ensemble, nous allons reconstruire le Cameroun. Un Cameroun meilleur, pas un Cameroun plein de sang. Ce dictateur qui massacre nos peuples tous les jours, il faut mettre un terme à tout ça. Donc, nous vous en supplions de sortir massivement samedi. Nous rejoignez-nous à Trocadéro pour l'opération coup de poing,
Rejoignez-nous à Trocadéro samedi. Merci. Bah, il faut jeter tout ça là, qu'ils voient ça, on les balance tout ça là. Ils ont compris le message. Ouais, monsieur Collins. Ça va sortir. Monsieur Collins. Ça va sortir. Ouais, bonsoir, les Camerounais t'écoutent. Bonsoir tout le Cameroun, bonsoir. Donc, c'est tout simplement pour vous dire que nous sommes debout. Hein. Nous sommes debout, donc vous pouvez faire confiance. Faites-nous confiance, nous sommes debout. Et c'est jusqu'à la gare. La gare, ça a été dit. Donc nous sommes debout, ensemble, tous les résistants sont unis pour la direction d'Étoudi. Et ça étoudit que nous allons nous arrêter. Donc que Bia le sache, que Atangandi le sache, aucun homme, aucun système, aucun dictateur ne peut se mettre continuellement debout face à un peuple debout, un peuple déterminé pour défendre sa liberté, son droit à l'existence et son droit au bonheur. Et actuellement, le Cameroun en fait partie. Donc Bia ne pourra pas se mettre continuellement devant nous pour nous empêcher de nous mettre debout pour réclamer notre liberté, notre droit à la parole, notre existence et notre droit au bonheur. Vive la résistance. Merci mes frères, merci, merci, merci. Merci tout le monde, voilà, je suis très content d'être avec vous. Ce n'est que le début. La campagne publicitaire de Paul Biya doit s'arrêter. Elle ne doit plus continuer. Hier, ils nous ont dit qu'ils enlevaient. Ils ont enlevé, effectivement, il faut reconnaître, ils ont enlevé une partie. Mais on veut l'arrêt définitif et total de cette campagne. On s'en fout. S'ils veulent nous appeler la police, ils n'étaient même pas capables d'appeler la police. Parce qu'ils savent. Ils savent que c'est trop honteux et que ça... Mais c'est trop souillant, ça. Soutenir un dictateur, c'est l'argent du sang. Vous voyez toutes les berlines qu'il y a là-bas. C'est l'argent du sang. Et on dit non. Dans nos hôpitaux, il n'y a même pas de médicaments, il n'y a rien. Les enfants meurent dans nos hôpitaux et on vient nous laisser avec des coups cassés comme ça. On va revenir, ils vont entendre parler de nous. Merci tout le monde, merci de nous avoir écoutés. Le combat continue. C'est un combat très long. Voilà une maman qui est avec nous, qui a laissé tout ce qu'elle avait à faire pour venir être avec nous. Une Amazone. Et ça fait plaisir d'avoir les mamans. Maman, tu peux dire un mot, hein? Je dis à mes frères que au Cameroun de tenir bon et de se lâcher, de pouvoir prendre la route comme a dit Maître Bobby, parce que si on ne se mobilise pas, s'il n'y a pas beaucoup de gens pour la révolution, on ne peut pas marcher. Voilà. Merci maman. Merci maman. Bia mérite rester dans la poubelle. Voilà là où Bia. Il faut le jeter dans la poubelle. Ce monsieur mérite rester dans la poubelle. On va distribuer tes photos de dictateurs là partout en ville. Partout en ville. On a fini l'opération et on s'en va. Je dis merci au grand Longuet Longuet. Et voilà, il a été libéré. C'est une bonne chose. Mon frère, nous, la base, on te soutient. On est avec toi. Tu n'as pas froid aux yeux comme nous. Tu n'as pas froid aux yeux comme Collins, comme Cyril, comme Lapiro, comme Marcel. Comme mon frère, on est là, on est focus et la patrie ou la mort nous vaincront. Bia, sache que la diaspora camerounaise a pris le pouvoir. Nous avons pris le pouvoir et nous n'allons pas la lâcher. Tu vas quitter, on va l'afficher ça là-bas. Tu vas quitter le pouvoir là, c'est pour nous. C'est pour nous. Vraiment, soyez focus mes frères. Nous, on est là dans le boulot. Le Congo ça, c'est pas chez nous. Et ceux qui savent où on fait le Congo ça, ben vous pouvez aller où on fait le Congo ça. Nous, c'est le travail, c'est la patrie d'abord, c'est le Cameroun d'abord, c'est le 237 d'abord. On est venu faire passer un message à Media Kiosk. Le patron de Media Kiosk lui-même, il était là. Il a écouté notre message. On l'a appelé dans la semaine. Depuis la semaine, on ne fait qu'appeler. Ben, il ne s'attendait pas à nous voir. Aujourd'hui, il nous a vus. Et voilà, on attend la suite. On les a donnés jusqu'à samedi pour enlever définitivement tous les restes d'affiches qu'il y a. Sinon, nous allons sévir. Et à tous les carrefours de Paris, voilà ce qu'on fait. On attache le clou du dictateur. Voilà ce que nous faisons à tous les carrefours. Voilà, c'est... Il faut comprendre. On va afficher bien partout. Mes frères, c'était un plaisir d'être avec vous. Salut, bonne journée et bien des choses à vous. Merci. Merci. Camerounaises et Camerounais, très chers compatriotes, n'oubliez pas, surtout au Cameroun, de casser vos puces orange. Cassez vos puces orange, vous vous désabonnez d'Orange. Enlevez votre argent chez Orange. Orange, mon ami, nous allons saboter tous les produits français parce que ce sont eux qui nous mettent dans la merde. Ils soutiennent la dictature, ils soutiennent Paul Biya, papa fainéant là, il le soutient. Donc, cassez vos puces orange. Faites-le. Cassez vos puces orange et désabonnez-vous de Orange Monnaie.
Merci à vous. Je vous en prie. Voilà, Paul Biya dans tous les carrefours. C'est ça que nous allons faire. Maintenant, on va afficher Biya partout. Tu voulais la publicité, non? On va te faire la publicité gratuite. Fils de pute, va, espèce de sorcier, papa chauve-souris. Merci, merci, mes frères. Je dis merci à celle qui a m'écouté tous les jours. Merci, bébé. Et bonne soirée, bonne soirée, bonne soirée à tout le monde. Rendez-vous pour la prochaine opération avec la brigade anti-Sardina. Nous sommes là, nous sommes focus. Le Cameroun d'abord, les Camerounais d'abord, la patrie ou la mort nous vaincront. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à toi, Martin Tadjo. Bonsoir à mon frère Guéro. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Salut, ciao, ciao, bye, bye.